Alors que le petit Émile était porté disparu depuis juillet 2023 au Auvernais, dans les Alpes de Haute-Provence, son crâne a été retrouvé le 30 mars 2024 par une randonneuse prénommée Sadia. Lors d'une interview pour La Provence, elle a raconté comment elle avait tenté de reprendre ses esprits après cette macabre découverte. Interviewée par La Provence, Sadia, la randonneuse qui a découvert le crâne du petit Émile, disparu le 8 juillet 2023 dans la commune du Auvernais, a partagé son expérience de cette journée de mars 2024, à la fois tragique et porteuse de réponses pour la famille de l'enfant. En pleine randonnée, elle a aperçu un petit crâne tout blanc et a immédiatement compris qu'il s'agissait des ossements de l'enfant disparu. Elle raconte « Je savais que c'était lui, c'était tout petit, ce petit bout de chou, et puis, vu le secteur, il ne fallait pas se raconter d'histoire. J'étais persuadée qu'il s'agissait du crâne de cet enfant. » Contrairement aux rumeurs qui circulaient, indiquant que le crâne était dissimulé dans les branchages ou les herbes, Sadia a précisé lors de son entretien que le crâne était au milieu du sentier. Elle a ajouté « Il n'était pas du tout coincé dans un trou ou dans une ornière. Non, il était en plein centre, comme si on avait voulu me le montrer. » Profondément choquée par sa découverte, elle a d'abord pris le temps de se calmer pour réfléchir avant d'envelopper le crâne dans des sacs plastiques, initialement prévus pour protéger ses pieds du froid. « Ce n'est pas lourd, un crâne de cette taille, et je pense qu'il aurait roulé », a-t-elle confié. Une fois rentrée chez elle, Sadia a essayé de reprendre ses esprits en se faisant un café avant de contacter les gendarmes. Depuis, l'enquête a été relancée, mais Sadia a dû faire face à des suspicions et des critiques de la part de certains qui ont trouvé son comportement suspect. Tant que l'on n'a pas vécu une telle expérience, on ne doit pas émettre quoi que ce soit. À partir du moment où on ne vit pas ça, on ne prétend rien. Qui sont ces gens pour dire « elle aurait dû faire ça ou ça ?» S'il y avait eu quelqu'un avec moi, j'aurais pu discuter et envisager peut-être une autre solution, mais là j'étais seul, j'ai donc agi en mon âme et conscience. Un point, c'est tout. Je n'ai rien à me reprocher ni à cacher, a-t-elle conclu. Elle a également ajouté qu'elle pourrait avoir été un instrument permettant à la famille d'Émile de faire son deuil et retrouver une forme de paix. À ce jour, l'enquête est toujours en cours pour élucider les circonstances entourant la disparition et la découverte du petit Émile. Les autorités continuent d'examiner tous les éléments disponibles pour comprendre ce qui a pu arriver à l'enfant.